Hop. Je suis fatiguée là. J'en ai marre. Le jeu, il a pas commencé, j'en ai marre, genre. Bon. On est où là? On est bien là? Oui, on est bien. Alors, qui est mort? La reine ou Giscard? Arrêtez! Omelette a été pinée. Non, c'est Bourgeon. Le message de Bourgeon a été pinée. Bon, allez, on joue! C'est parti! Merci, Xark! C'est pas moi qui ai piné Bourgeon, hein. Je sais pas qui l'a piné, mais... Allez. Je pleure, moi. Je suis pas fragile, moi, c'est bon. Ah, les you. You. Putain, c'est terrible parce que là, je suis hyper active, mais... Non, j'allais dire... Je vais plus l'être dans 10 minutes, mais ça fait vraiment 2h30 que je suis hyper active. C'est pas normal. Yeah, yeah. Alors juste attendez 4 secondes. Je crois que je suis pas sur le bon écran. Ah si pourtant. Ok. Qui me pine ici? Putain, mais Omelette? Arrêtez! S'il vous plaît, on est sur un jeu d'horreur. D'accord? On se calme, on se met dans le mood. Oh là là, je suis terrifiée. Revenons au jeu, s'il vous plaît. Revenons aux peurs. L'effet papillon. Le battement d'aile d'un muscle papillon. Ça a des muscles, les papillons. Attendez, les insectes ont des papillons. Les insectes ont des papillons, je suis terrifiée. Non mais en vrai. Bon bref. Merci Apple. Je suis torréfiée. Personne, le Red Bull. On se concentre, s'il vous plaît. On peut se concentrer? Minuscule, pas... Ah! Ok. C'est pour ça. Notre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. Ils ont mis un mot à trois syllabes pour des gamers. Hein. C'est nous surestimer, hein. Le jeu est assez fort. Ok. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Attends, pourquoi je la connais, elle? Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur ma... Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est la VF, bah oui, on reste en VF, hein. Que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Il y a toujours un mec qui s'appelle Mike aussi, hein. Alex, Chris, Mike. C'est toujours ça, hein. Ah oui, les sous-titres, pardon. Ah putain, j'ai pas accès. Pourquoi j'ai pas accès aux paramètres? Oh, putain, j'allais dire un mot qui avait rien à voir. Mike, et c'est comme enculé. Oh bah non. Mais je l'ai mis après. Anna.
très intelligente. Hein. Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Axe avec Gladys. Mike ? C'est Anna. Salut Anna. Non, toi tu es Alex Voss, à la limite. Évidemment. Eh, vous avez vu ça ? Papa, très important ce cliché là aussi. Josh ? Je joue là ? Ah ouais. Alors attendez, du coup. Sous-titres. Superbe. Et je vais également faire... alors attendez. Ça. Il est 21h ! Oh, je suis navrée. Attendez, je réfléchis à un truc. Pourquoi ? Est-ce qu'il faut que j'enlève ça, en fait ? Une erreur réseau est survenue. Nice. Ok, là, normalement, le stream va fonctionner mieux. Merci, Dawa. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, le chat ? Ah oui, Clara, ok. J'ai cru que Clara Doxal était dans mon chat et qu'elle racontait de la merde. Ce qui aurait pu complètement arriver, hein. Allô ? Putain, j'ai rien suivi. On va se concentrer, hein. Oh non, j'arrive pas à... Waouh, quelle méchante insulte, Anna Montana. Merci, 12, le 12e. C'est d'ailleurs sûrement le cas. Ça dit quoi, ce truc ? Ah, putain, on est dans le tuto. Anna ! Waouh, quelle méchante insulte, Anna Montana ! You look so damn hot in that shirt, but I bet you even hotter out of it. Oh putain, il y a même le clin d'œil à la fin. Come to the guest, je sais pas quoi, at 2 a.m. Mike. Oh putain. Pourquoi c'est toujours Mike qui est un gros beauf ? C'est encore foutu. C'est laquelle, Anna ? Pardon, je suis désolée s'il y a des gens qui ont le réflexe vomitif, j'aurais pas dû faire ça. Pardon. Merci, Risk Bibi. Oh ! Pourquoi ça me dit d'appuyer sur X, là ? Putain, ça... J'adore les jeux narratifs, mais j'oublie à chaque fois que c'est le genre de jeu où juste tu passes ton temps à te balader et pas savoir ce que tu dois faire. Ah, c'est un mur, pardon. Mais on n'y voit rien, en fait, donc... C'est ça que t'as vu dans la cinématique. D'accord. Ah oui, c'est celle qui ressemble à Alex Dunphy. Alex Voss. Bon, eux deux, en vrai. Putain, c'est vrai, ça. Est-ce que Orange is the New Black est un épilogue de Modern Family ? Bizarre. Ça tiendrait la route en plus, ça le pire. Attends, mais il y a un autre truc là. Je peux courir ou pas ? Trait de caractère. Oh, on peut jouer RP comme ça. Affinité. Elle est très pote avec Anna. They seem to be very good friends. Elle aime pas Mike. C'est qui la personne qu'elle aime le moins ? Ashley, Matt et Mike. Ok. Elle est pas romantique, hein. C'est sa sœur. Oh, wow. And they were roommates. Et Emily aussi. De quoi, Emily aussi ?
Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je peux le réveiller, lui, non? Y a pas un bail comme ça? Hé! Ah non, ok. Merci, Yosuan. Je m'appelle Emily aussi. Emily is away, d'accord. Elle aime pas trop aussi, Emily. Ah, j'ai pas vu, ok. Alors, on prend cette bouteille. On tourne cette bouteille. Jeremiah Krag. Merde, Josh. Ils peuvent pas allumer la lumière, genre. Tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Ah mais c'est lui, Mike. Mais il a pas une gueule de sale type, genre. On pourrait commencer à... Tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. Merci, Lord. Oh, bizarre de dire ça comme ça. Oh putain, c'est pas vrai. Ah mais si, c'est un sale type en fait. Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Anna. Désolé Anna, c'est parti en vrille mais... C'est juste une blague débile. Mais quoi? Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna. Y'a rien qui va. Y'a vraiment genre, ça fait deux minutes je joue, y'a rien qui va. Allô? On entend mal le jeu? Merci Dragoral. Merci beaucoup. Oui, je fais le choix, je monte le jeu. Bah en vrai, on rattrape Anna, non? Eh? Pourquoi je joue pas là? Ah ok, c'est avec l'autre joystick, pardon, excusez-moi. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Ah, j'avais pas compris ça, moi. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Mais c'est... vous êtes des bullies de merde? On voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bon, mais attends, mais quel âge ils ont pour faire ça, Anna, en plus? Genre, c'est des grands adultes. Du coup, on va peut-être la chercher. Merci, Tortue Passable. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. 45 ans. Waouh, quelle méchante insulte, Anna Montana. Oh, du QTE. Ma manette fait du bruit. La manette de la PS5, elle fait du bruit. Allô? Quoi? Je savais pas. Prudence. Quoi? Je savais pas du tout. Wesh, ça m'a trigger de malade. Mes premières nouvelles? Oh la honte, surtout que c'est un jeu PS4, donc ça fait longtemps que la manette elle fait du bruit. Gauche! Suive les pas. Droite! Suive le bruit. Gauche! Toi, tu vas mourir, toi. Elle a vraiment aucun instinct de survie, ça se voit. Putain, Anna, mais t'es où? T'es pas là, mais t'es où? Utilisez le pavé tactile comme indiqué. Ok. Anna! Je vais monter le son. Eh bien, le son est au maximum, mesdames et messieurs. Until Dawn est installé, j'espère bien, oui. Merci. C'est gentil. Comment je peux faire... Jure. Je peux peut-être monter le son là-dedans. Attendez, je réfléchis. Si... Thème son, ta-ta-ta-ta-ta-ta, option. Ouais, tout est au max, hein.
Là aussi, c'est au max. Ah, si, je peux l'augmenter ici, peut-être, pour vous. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, là, c'est du... Faut attendre qu'elle parle, parce que là, c'est de l'ambiance, mais... Je peux courir? Hop, pardon. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je peux pas courir? Putain, j'ai eu peur, sa mère. Yeah! Ok, ok. L1 pour marcher plus vite. Ouais, ouais super. T'es là? Yeah! C'est quoi ça? Ça m'énerve de... Il faut maintenir un... Totem de mort. Il faut maintenir une touche pour qu'elle prenne le truc alors que j'ai déjà appuyé sur une touche avant pour qu'elle le prenne. C'est un peu bizarre de faire ça. Ok, donc là en fait il y a moyen que je tue les deux en même temps. Qui n'est pas mon but, hein. On essaye de tuer personne ici. Oula, c'est quoi devant là? Il y avait un truc bizarre. Ah, mais c'est Anna. Pardon, Anna, peut-être t'es pas bizarre. Mais... Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Non! Je suis trop stupide! Bijou! La pauvre! En vrai, c'est horrible en plus ce qui lui arrive. Elle se fait humilier et humilier, elle va mourir après. Vas-y, c'est trop. Moi, je serais pas retournée à la chercher. Hein. On l'a déjà vu dans d'autres let's play, hein, mais... Attends, mais comment tu vas t'en sortir hein? Ah, mais tu ne peux pas en fait. Putain, il va falloir que je martèle un truc. Genre Charles, probablement. Allô? Tiens bon! Mais ils tendent la main? Quoi? Non, non, non! Non, je voulais laisser tomber Anna! Merde! J'ai mal lu. Est-ce qu'il tend la main? Il l'aurait sauvé. Attendez, j'ai mal lu. Je l'ai dit avant. Bon, écoutez, c'est so long, hein. J'ai dit, il tend la main et j'ai quand même fait ciao. Putain, j'ai lu lâcher, genre lâcher la main de Anna pour machin. Putain, vas-y, ça commence bien. Avant allez. De commencer... Il y a quelques points c'est de ma faute. Que j'aimerais clarifier avec vous. Merci Flagada. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Oh non. Le passé est hors de notre portée. J'ai mal vu, je crois. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Ah, j'ai de l'uncanny valley avec lui. Cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Oh, j'aime pas. Essayez de vous en souvenir. Oh, j'aime pas. Ah, il me met trop mal à l'aise. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. On voit trop ses dents, genre. Non, vraiment pas. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Non, il me fait trop peur. La vie de ma mère, il me fait trop peur. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Putain, ça me casse les couilles. En fait, j'ai lu... Comme il y avait du temps... Il est primordial, j'ai lu un choix et j'ai extrapolé dans ma tête et j'ai pas lu l'autre choix et je l'ai choisi. Vas-y, ça me saoule. Merde, j'ai pas écouté. Oh putain. C'est ma main ça ?
Putain, bien d'avoir mis un gant pour pas qu'on sache qui c'est. Ouais. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. De la joie, du malaise. Bah du malaise, ça me semble bien, normal. La franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire... Trop difficile comme exercice. Ce qui vous met mal à l'aise? Ce qu'il dit? Bah toi, principalement, hein. L'épouvantail. Ouais, bah oui, l'épouvantail, oui. Je vois, je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Mm-hmm. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Une semaine? Je veux bien être introverti, mais quand même, hein. Ah ouais, non, en plus... Ah ouais. Ah bon? Y a pas internet et tout là-dedans, hein, c'est mort. Bah, je me sentirais seul. Je me ferais chier de fou. De la quiétude solitaire à l'isolement vécu comme une souffrance. Semaine à manger du maïs, là, c'est mort. Hein. Peut-être. Je fais l'amour et dans le pré, moi, je crois pas, hein. Parce que la session se termine. Allez, 80 balles. Mais je viens d'arriver, en fait, 80 balles. Ah, d'accord. J'aimerais que vous essayiez de vous entourer d'amis. D'aller dans un endroit où vous vous sentirez... en... Merci à ce mot des trucs. Trust. Un endroit où vous vous sentirez... Ok. Bon, c'est le méchant du jeu. Ah, un peu d'immersion. Ah, on peut rembourser Cara Blue. S'il vous plaît. Lolé, lolé, lolé. J'ai tout deviné. Bah ouais, mais bon, c'est un peu... En fait, je me dis, comme c'est le premier, tu vois, c'est forcément ça. Parce que dans les autres que j'ai fait, c'était pas le psy, le méchant. Oh! Pas mal, ce générique de... American Horror Story. Bah, je sais pas, ils... On va voir, hein. Quoi? J'ai entendu mon prénom. Je pense pas. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Oh, c'est toujours des anniversaires des drames, j'adore! Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna Odess. Et Bess Ah, ok. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Ah, Courtney. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien c'est hôpital. Ça a coupé juste sur les mots-clés. Étrange. Mes hommes ont fouillé le terrain, mais. Théo. Attention au gros plan quand même, hein. Quelque chose dans regardez comme notre c'est rien de le dire, Marty. Notre jeu est beau, on peut faire des gros plans sur les visages et ils ont l'air réels. À l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Oh okay. C'est Rami Malek. Putain, j'avais oublié. Ok, salut à tous, amis et fans. J'avais complètement oublié. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver. Bon, attendez, ça va durer 4 ans, cette cinématique, là. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de... Ça fait bizarre de voir Rami Malek qui sourit. ...annuel de Blackwood. Donc, un somatissement. En fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Où? Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais... je tiens à vous dire une chose. Je savais pas que Freddie Mercury avait joué dans le jeu. Ça me touche.
Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je... Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Donc quoi qu'il arrive, il y en avait une qui mourait, quoi. Chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Putain, ça m'énerve. Les prochaines fois, faut que je lise les deux choix. Hein. Je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok. Pine pole pole pop. Pop up in your mouth. Pop. Ok. Donc on rejoint Kid Cudi dans sa maison, on a rien compris. Quel rapport avec Edith Piaf? Jason Graves. Putain, je regardais le générique de Wednesday et dedans il y avait quelqu'un qui s'appelait Joy Sunday et je trouve ça fou comme nom. C'est trop bien. Je me suis dit la même, mais on est d'accord, Joy Sunday, c'est incroyable. Sur le dernier épisode, ouais. Je crois pas qu'il y ait le DLC, non. Je m'appelle Joie Dimanche. Non, tu t'appelles Joie jour de soleil. Littéralement. Superbe. Sam, appliquée, bienveillante et audacieuse. Une fois, elle a pris un bain dans une poubelle. Ça fait un peu next, je suis désolée, mais... merci au bâtissement. Mais non, attendez, c'était les 9 mois de qui? Tortue passable? Mais non, mais elle est sortie de nulle part, cette... Wesh, elle est sortie de nulle part, cette alerte. Attendez. Mais quoi? Mais j'ai pas de sub. Pourquoi j'ai des alertes, j'ai pas de sub? Hein? What the fuck? Mais... J'ai disparu. Attendez. Attendez. Merde. Là. C'est pour l'anniversaire de la disparition d'Anna. Et de sa sœur. Comment elle s'appelle, sa sœur? J'ai oublié. Beth. Beth, c'est toujours les miskines un peu dans le jeu, non? Merci, Charlotte. Allez. Beth, ta sœur. Je suis ta sœur, et alors? Bon, allez. Elle s'appelle Sam. Elle est bienveillante et audacieuse. Eh oh. Y'a quelqu'un? Donc Sam, c'est quelqu'un de bien, d'accord? C'est ça? 21h02. Quartier du Châtelet. Brigadier Mallard commence son ascension. Utilisez le joystick droit pour vous déplacer la caméra. Mais vous croyez que c'est la première fois que je tiens une manette dans les mains ou comment ça se passe? Regardez... Mais non, mais attendez, au secours! Oh mais putain... C'est écrit quoi? The gates busted! Ah! Merde, pardon. Eh ben allons-y. Oh les QTE... Mais tu... Elle a pas lu? Ah, elle veut pas grimper? Mais grimpe au-dessus? Faut que j'aille sur le côté alors. Ah là! Ah oui, parce qu'il y a des pics. Ok. Je capte. Rapide, prudente. Est-ce que tout ce qui est rapide... Ah, ça vient de moi, en fait.
J'allais dire, est-ce que tout ce qui est rapide est genre dangereux de fou, mais en fait c'est... Ok. C'est de mes skills qu'il en dépend. Merci Bonnie Fichtre. Tout ce qui est rapide et furieux. Tu l'as, mais oh là là. Eh, vous allez pas commencer, hein. Oh bah pardon, j'ai banni, je voulais Théo. Pardon. Est-ce qu'on peut l'unban? Merci. Pardon, c'était pas... Putain! Oh, le bébé! Il va mourir. Vous attachez pas, vous attachez pas. C'est ça? Ne bougez pas, putain, j'ai pas lu. Tant mieux, il m'aurait mordu, il m'aurait foutu la rage. En vrai, je trouve ça toujours très intéressant de... Genre les jeux comme ça, d'horreur, de voir le début du didacticiel. C'est toujours des trucs un peu qui servent à rien, mais du coup... je sais pas, je trouve ça intéressant à voir. Si vous ne savez pas quoi faire... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Vous pouvez consulter ta mère, je sais plus ce qu'il a dit, mais c'était ce truc-là, là. Oh, mais elle aime personne, elle. Attends, mais t'es qui, du coup? Ah, mais c'est un an plus tard, donc en fait, ils ont tous des relations qu'on... On peut consulter ta mère. C'est la meilleure amie d'Anna. Oui, c'est ça, en fait, c'est un an plus tard, donc en fait, leurs relations ont tous changé de fou. C'est la meilleure tout court. Merci Fedros. Ne m'influencez pas dans mes choix. On verra, c'est à moi de dire si c'est la meilleure ou pas, d'accord? C'est une robe qu'elle a? Ah oui. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est une flannel shirt? Anna Corti a tué. Mais j'étais obligée, de toute façon Anna, elle allait mourir quoi qu'il arrive. Ça raconte quoi ça? Je vais me mettre de l'autre côté, du coup, comme le tuto est toujours là. Attendez. Hop. Ou alors je me mets là, hein. Ça me paraît bien. Comme ça. La population indigène et les professeurs... tribus vivaient d'autrefois dans... mort. Les papillons noirs annoncent la mort de la personne en train de rêver. Danger. Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Il avait les mots, pas du tout. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil. Les papillons jaunes offrent des visions pour aider et guider. J'ai rien écouté à ce que je viens de dire, en fait. Merci The Fractal. Joyeux anniversaire. Merci... Attends, mais si, j'ai tous les trucs qui sont revenus, là. Charlotte, merci Sir Styx, merci Bunny, oui je l'ai déjà dit, Caffeine Power, merci Panzer, merci Phaedros. Est-ce que tu m'entends, Rio? Oh 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 oh. Mais, allô? Pour découvrir des totems au cours de la... Oui? Ok? Je peux sortir de ce truc? Mais... Ah, fallait juste que j'attende, pardon, excusez-moi, c'est de ma faute. Merci Florek. Ah, vous voyez pas, il y a ma gueule devant. Hein. Fort bien. J'ai pas eu le temps de lire. J'étais occupée, merci Crocopolis. Et parce qu'en vrai, c'est comme dans Tucker and Dale. En fait, elles ont été tuées parce que juste elles avaient peur d'un gars, mais il était pas méchant, quoi. Enfin, d'un gars, de quelqu'un, quoi. Ça dit quoi, ça? Waouh, des graffitis à cette hauteur. À cette hauteur? Mais t'es là aussi, pourquoi tu pourrais pas... Je comprends pas, pourquoi ça l'impressionne? Le passé est hors de notre portée. The past is beyond our control.
Oh là là, merci à toi le frérot, tu me régales tout simplement avec ton sub, c'est tout simplement... Monomi, merci beaucoup. C'est Dorothée Pousseo, oui, oh non, ça y est, ça va continuer. /Horty_, c'est tout simplement une chaîne légendaire, le sub légendaire également, ce qui oui. Te vaut un double remerciement, je dirais même un triple remerciement. Voilà. Triplement merci à toi mon frérot, continue comme ceci, et les autres continuent aussi, envoyer des bons subs là, et ça régale. Est-ce que t'es là? Merci beaucoup. Évidemment. Évidemment. Chris va nous sauter dessus, ça va nous faire peur. On fera « Ah, t'es con !» Il va se marrer comme un idiot. T'es où, toi? T'es pas dans le sac, quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Bah, réponds. Fouiner. Elle l'aime pas, de toute façon. Pourquoi il y a eu des papillons? Ah oui, parce que les trucs qu'on a vus avant... Voilà. Ça fait quand même très Life is Strange, ça, hein. Mais qui voilà? Chris. Putain, t'es con. Ah, c'est lui dont je me souvenais. Le béguin pour Ashley. Il s'appelle Chris. Il est méthodique, protecteur et comique. Il a également le béguin pour Ashley. Tu m'as fait peur. Ok. Au revoir. T'es pas mon assistante? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. N'hésitez pas à faire des descriptions next. Comme ça, on les rajoute. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté, tu vas halluciner. Il aime manger ses ongles d'orteil. Non. Il trouve qu'il a de belles dents et aime manger ses ongles d'orteil. Il est joué par Benjamin Castaldi. Putain, c'est vrai. Tada! Ça le fait, non? Ouais, ouais, certainement. Quand même, t'as vu ces merveilles? Alors on la jette. C'est pas le mot qui me vient réaliser. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un temps de tir au pied d'un chalet de ski? J'aimerais bien suivre un peu l'histoire quand même, j'avoue. In other words, hold my hand. Croquette, tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. Oula, c'est comme ça qu'il l'a... Attends, quoi? C'est ça l'entrée en matière, là? Merci, Cubi. Comment on tire? Tu m'as fait quoi en live? Elle bouge. L'Amérique, l'Amérique, je la veux et je l'aurai. Tire! Waouh, joli tir, cowboy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. T'as désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Oh non! Attendez, faut que je joue! Bah, n'importe qui pourrait avoir ça. Il a fait une danse Fortnite! J'adore! Ouais, je suis un dur, ouais. Ouais, je suis un gros dur, ouais. Merde, mais putain. Non! C'était l'écureuil? J'ai failli tirer sur l'écureuil, là? C'est ça qui se passe? Joli tir. Regarde-moi ça. Heureusement que j'ai connecté mon neurone. Putain de merde. C'est juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Ah, j'ai eu peur de fou, pardon. Pardon. Oui, je vous ai fait peur aussi, du coup. J'étais concentrée sur la danse Fortnite. Ouais, je suis un dur, ouais. Moi, je suis un giga dur, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en deux secondes. On va où, là? On va par là. Merde. Putain, les changements de caméra. Indice trouvé. 1000 grammes, Victor. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers? Comme le test, 1000 grammes?
Ah, oh, mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année, personne ne vient ici. Ok. Omae wa mou shindeiru. Nani ? Merci, c'était Ron. Mais j'entends un truc qui m'énerve. Je sais pas comment il fait pour tenir le coup. Moi, je serai en vrac. C'est ma montre que j'entends ou la manette ? Ça doit être horrible. Mais j'entends ma montre. J'ai jamais entendu ma montre avant. De l'aide quand il en a besoin, tu vois. Ouais. Mais non, mais c'est pas ma montre. Ah oh, putain, c'est ça. J'entends les bulles de mon coca qui éclatent. Pardon. C'est une bombe. Mais non, mais c'est ça qui tiquait. C'est une expérience, c'est pas un test. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Mais, vu deux fois en cours. Josh, c'est, en vrai, c'est intéressant. Elle est fermée pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça ? Quels gens ? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. J'entends. Dans mon coca, j'entends la mer. Allô ? Merde, putain, mais Ortiz joue. Allez, qu'est-ce que... Quoi ? Elle a dit quoi ? On peut pas rentrer. Si ? Il a la clé. Après toi ? Ah, mais il a la clé, en fait. Tu es la clé. Je joue qui ? Je joue Chris encore, ok. Je peux la pousser, genre ? Ah non. Je pensais que c'était plus près. Ah oui. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre ? C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit, elle paraît tellement menaçante. Oui, bah écoutez, l'immersion, de toute façon, nous on a fait une croix dessus depuis 2 ans, hein. Quoi ? Ton joli poème. Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. J'aurais pu aller par là. Attends, je vais aller voir ce qu'il y a par là, moi. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Blackwood Spain. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. L'épine de Blackwood. Je me demande bien ce que ça peut être. Hein ? Normalement, si je reste un peu longtemps, on va avoir quelqu'un qui passe là. J'y crois à mort. Merci Sky Edge. Eh, mais du coup, je suis pas dans le bon sens là. Attendez. Il est où ? Il est là. Bon, à voir, non, hein. Quelqu'un est passé quand t'as regardé ton chat. Merde. Enfin, on y va ? Attends de plus. Ouais, bah, je pensais pas. Arrêtez, vous me faites douter. Oublié, mais... okay. Quelqu'un a suivi une seule seconde ? Pfff. Quelle idée. Johnny, quelle idée ? Que je t'aime ! Putain, allez, on se concentre ! Pourquoi j'arrive pas à me concentrer ? C'est un enfer ! Allons-y ! Bien, l'aventure commence ! C'est un enfer ! Oh, aidez-moi ! Amenez-moi de l'aide, faites quelque chose ! Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Eh, on va focus. Tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Focus son mec. J'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler. Profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Il lui a dit ferme ta gueule, là ? Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang.
On ne se connaissait même pas. Au premier rang, j'ai lui mordu au sang. J'ai un problème. Il a tiré sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang. Là où je le prof l'a mordu au sang. Ok, et j'ai dû aller au fond. Et à côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Tu peux résumer l'histoire? Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. C'est une vraie question. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seule dans ce téléphérique en ce moment même? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi? Boum! Mais il y a peu de choses qui vont dans cette interaction-là. Il y a vraiment... Non mais... C'est complètement un code du nanar qui veut que qu'il y ait forcément tous les mecs qui soient qui parlent que de ça, tu vois, mais d'une manière bizarre, c'est ça fait partie du truc. Mettons ça de côté. Ben non, mais j'ai rien à dire de plus en fait. Il y a juste rien qui va là. Comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Effet papillon. Chaque ligne de dialogue est pire que la précédente. Poussez-le. Oh. Effet papillon. Elle s'appelle Jess. Elle est assurée, naïve et... irrévérencieuse. C'est également la nouvelle copine de Mike. J'ai besoin de descriptions là, donnez-moi des descriptions. Elle aime les nombres impairs et les... Non, attends, je peux pas le dire le nom de cette émote. Je chope des trucs. Elle écrit quoi? Visiblement, elle est pas dyslexique, hein. Sagittaire, hein. Elle se nourrit exclusivement de ficello et adore les nombres impairs. Merde. Oh, oh. J'ai cru que c'était Clara Doxal. Mais genre, tu sais, j'ai passé vite comme ça et j'ai vraiment cru que c'était Clara Doxal. Abusé. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Elle est quoi du coup? Réversible? Comme les vestes? Quel rapport? C'est quoi ça? Jess! Hey! Jessica! Par ici! Mais qu'est-ce que... Putain, il y a deux meufs blondes. Dans ce truc, là. Je vais les confondre. À sortir, s'il te plaît. C'est qui l'autre? Ashley? Non, je sais plus. Ah, oh, putain, c'est... j'ai déjà perdu. Sam. Ok, Sam et Jess. Bon. Je confonds les blondes. T'es fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Non. Regarde, j'ai plein de viande. Mais non, mais elles se ressemblent là. C'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Hey. Les trois sont blonds. Je fais juste ce que Sam m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Mike et Em, c'est fini. On est ensemble. Oula. Attendez, c'est la voix de qui? Pourquoi je connais cette voix? Vous me dites des trucs que j'ai pas les refs, mais... Harley Quinn? Clover! Clover! C'est la voix de Clover! Putain, c'est ça! Oh, waouh! Mais vraiment, ça m'a dérangé. J'étais en mode, il y a un truc! C'est la voix de Clover! Non, Dorothée Pousseau, elle joue Sam. On a Sam et Clover. Oh purée, ça me fait trop plaisir, c'est ouf. Ok, on la tue pas, elle. Pas vraiment, c'est très simple en fait. M dégage, moi j'arrive. Oh.
Je suis trop contente. On dirait Tess dans Camp Rock. Rentrons simplement au chalet, j'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier, moi je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire, peu importe, on verra. Sam? C'est vraiment ça me rend euphorique d'entendre Clover, c'est ouf. C'est vraiment magnifique. Parfois j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Pas mal ce JPEG. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Bon. Elle s'appelle Emily, elle est intelligente, entreprenante, persuasive. C'est également l'ex de Mike. C'est justement elle dans Camp Rock, je crois. Non, tu mens. C'est la meuf qui joue Tess ? Elle boit le lait à la paille, ça j'aime bien. Palmarès ex de Mike. Terrible. Elle sait parler Klingon et boit le lait à la paille. Je pense pas que ça aurait été aussi. Très très chaud. Oh là là. Il s'appelle Mike, il est motivé, ambitieux et sportif. C'est le nouveau copain d'Emily. Elle joue dans Superstore. La meuf d'avant ? Mon plat préféré, le saucisson brioché. Il ne sait pas respirer par le nez et son plat préféré, le saucisson brioché. Et notre porteur, hein. Alors attends, du coup, j'ai... en fait, mon problème, c'est que quand je lis à voix haute, je j'entends pas ce que je dis. C'est... Lui, c'est Matt, et c'était quoi son palmarès? C'est Lex. Ils sont ensemble, les deux, c'est ça? Oh, j'ai des frissons. Emily. Non, c'est juste que... Ils sont en couple, ok. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin... Qu'est-ce que t'en penses ? Putain ! J'avais dit, il y a toujours un mec qui sort de nulle part, il fait chier tout le monde. Évidemment, c'est Mike. Quel gros con, lui, hein. Il s'appelle Mike, il est débrouillard, déterminé et persuasif. C'est l'ex C'est l'ex d'Emily. Il collectionne les cheveux de ses ex. Et il a... Attendez. Et il a... Né... Ah ! Et il a une allergie mortelle au gros sel. Et après, on arrête avec les fun facts sur la nourriture, on en a dit à chaque fois. Sérieux ? Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec, j'ai pas été frappé. Sympa ? Michael, t'es trop con. Oh, allez ! Elle a raison. On est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, quoi ? Ça fout les chiens. On est tous potes ici, allez, on a besoin de violence ? Ça va pas ou quoi ? Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, M. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Ouh, Mike, il a des petites vibes incel, hein. Bizarre, hein. Nous sommes tous amis ici. Putain, j'ai pas vu. Lui, il est sportif et quoi? Honnête, charitable, romantique, curieux. Oh, il est pas drôle du tout. Il est pas courageux. Parce qu'il faut du courage pour... Pour déf... Ah, en vrai, il est romantique. Du coup, je me dirais... Il va protéger sa meuf, tu vois. Ça demande du courage. La bagarre, hein. La bagarre. Je pense qu'il a pas peur de Mike. Il s'en fout. Ça dégage. Michael, tu vas devoir t'y faire. Tu vas devoir t'y faire, Michael. Emily et moi, on est ensemble et il n'y a rien à dire de plus. Et je vais pas te le répéter. Mais quel rapport ? Il a craqué ? Je comprends bien. Eh ben, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Mais quel est le rapport ? Mais... Bon, d'accord. Mike. Non. Le rapport ! Le rapport ! Ouais, le rapport ! Je vais merder par moi-même. A plus. Mike, sa gestuelle, hein. Il est à deux doigts de faire du voguing, hein. Je vous le dis. Tu fais ton mal dominant. Oh,
Merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Mais va le trouver après. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Ok. Je te laisse pas seule. Il n'y a pas de raison qu'il soit inquiet, en fait. Genre, elle adulte, quoi. Si elle dit... J'estime que si elle en est à être aussi impolie, c'est que c'est vraiment important. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon? Une quoi? Bon, on est quitte. Pff, allez. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. À tout à l'heure. Putain, j'ai vu quelqu'un qui disait la comédienne d'Emily et j'ai pas vu le reste. Elle a pas l'air enjouée dans son travail. Ah, c'était pas très intéressant. Pardon. Je m'attendais à ce qu'on me dise celle qui a joué dans tel truc. Non, pardon. C'est de ma faute, hein. Ah. Ok. Elle s'appelle Ashley. Elle a le bec un... Non. Elle s'appelle Ashley. Elle est studieuse, curieuse et honnête. Elle a le béguin pour Chris. Pour Chris? Qui t'a fait du mal, Ashley? Elle a une chaîne YouTube où elle vlog des enterrements et elle vient de commencer le monocycle. Oh. Elle parle 8 langues dans le mandarin. Waouh, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop comique. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Pourquoi il la tient comme ça? They seem to be very good friends. Elle jouait dans Shameless. Ah merde, j'ai pas vu Shameless. Mais c'était sûr en fait. Mais attends, mais elle est complètement conne, Emily, parce que juste Matt, il va aller demander à Sam « Alors, c'est bien ?» Enfin, son alibi, il est nul à chier. Tant mieux, karma, hein. Attends, faut... Ah putain. Bordel. Oh le malaise. Bon sang. Oh le malaise. Elle va lui dire ou pas? Oh, il va falloir qu'on choisisse. C'est pas vrai. Bozo con. Non mais désolé. Merci Tosmirir. Tolsimir, merci beaucoup. T'as vu un truc intéressant? Merci Rally. Laisse-moi regarder. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Elle est très curieuse, elle est honnête. Elle connaît pas Matt, hein. Elle est surtout pote avec Chris. Ah oui, bah oui, elle a un crush sur Chris, c'est vrai. La véritaire. Elle aime pas Mike. C'est vrai qu'elle aime pas Mike. Ouais, ouais, vérité, hein. On fout la merde, nous, hein. Mais non, mais... C'est elle fout la merde aussi. Non, non, non. En fait, j'ai peur de ce qu'elle va dire, parce que... J'allais dire, on n'a rien vu, en vrai. Genre, tu tiens pas... Genre... Eh, vas-y, le langage corporel, il était... Merci, Snoopy. J'ai dit merci ou versi? J'ai entendu versi. Bonsoir, merci. Encouragé. J'ai failli faire mentir. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. Elle lui dit rien. Elle lui dit juste regarde. Ok. Putain de merde. Vraiment.
vraiment, Émilie ? Non, mais ils se réconcilient. C'est quoi ce bordel ? Hey, écoute, c'est sûrement rien. Rien ? Tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein ? Je sais pas... Oh, fais chier ! Ça veut dire quoi, ça ? Matt... C'est jamais rien avec M, mais attends, mais... Comment il parle de sa copine, genre ? Jessica. Merci Clio. Ils sont tous toxiques. Ouais, ils ont l'air. Hein. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je ? Mais lui, il va faire chier tout le monde, hein. Quel autre choix pour moi ? Une Jessica Soulet. Belle que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste. Putain, c'est vraiment Clover. C'était très compact, hein. Il aurait pu lui faire très mal, hein. Ah, c'est l'autre joystick. Dans ta gueule, Chris. Mets des cailloux dans les boules de neige, là. N'hésite pas, n'hésite pas. C'est quoi cette musique, là? Ah, on est dans un truc romantique, là. Oh, le bébé! Ah non, hein. Moi, je veux pas qu'il arrive quelque chose à l'oiseau, hein. Ok, ouais, tu m'as eu. Maintenant, j'ai peur pour l'oiseau. Pourquoi on a vu un oiseau? Ah non, hein. Parfois, ne rien faire est le meilleur choix. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Donc là, on va rien faire. J'ai cru qu'il allait shooter l'oiseau. Ah, j'étais devant, vous avez pas vu, pardon. Mais il y avait un oiseau en dessous. Wow. Ouais. Je l'ai trouvé, Jess. Et puis quoi? Ça suffit. Tu m'as fait quoi, là? Non, ça suffit pas. Tu m'as fait boule. Merci, Dino Killer. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. Hein? D'accord. Mais, ça veut rien dire. Alors, ce qu'il raconte, là, quoi? Tu vil Manon? Vous êtes un brave adversaire, reine. Quoi? Jessica des boules de neige. Ok. Faut rentrer là, hein, vous venez sénile. Madame. Le froid vous attaque. Oh, c'est mort. C'est... Oh. C'est mort. Ah, mais c'est pas RP. J'en ai quelque chose à foutre, moi. Ok, toi tu vas être puni. Puni comment? Yo. Eh bien... Je déteste Mike. J'ai une petite idée. Je le déteste. Mais je garde ça pour plus tard. Du coup, elle fait quoi en live? Oh, je le déteste. Ouais. Ça bouge. C'est joli. Mais non, mais le problème, c'est que Jess, elle l'apprécie. La vie est à tomber. Donc si on veut être RP... On va rester ici, pour toujours, mais seulement... Non. Si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre... Non mais voilà. Eh bien, je crois que... Qui a demandé du RP? Complètement gelé entre ses guillemets. Bah, moi. Mais j'ai pas envie. Le drama ERP. Bien sûr, moi je suis pour le drama, mais si le jeu a décidé que c'est ça qui était RP, je pense que il y a des trucs qu'on va être obligé de faire en fait. Même si on dit non à chaque fois, ça va juste annuler des possibilités et pas en donner d'autres. Comment allez-vous ? Qui s'embrasse dans le froid ? Bon, des tas de gens. C'est pas hyper choquant pour le coup. Vous restez en compagnie d'amis proches depuis la dernière fois ? Bonjour. Ouais, complètement, ouais. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. On va encore payer 80 balles pour regarder des images. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Mais c'est-à-dire que vous avez juste mis un miroir, là. Moi, ça m'effraie. Les hommes m'inquiètent, les femmes m'inquiètent. Attendez. Ça, c'est un mème, hein. En
En fait, c'est terrible de, genre, moi, mettre mon stream là-dessus, là. Je me demande. Est-ce que tu es féministe ? Non, moi je suis pour l'abolition de l'égalité. Merci Eboulis. Twitter corps. Hop là. J'ai peur de la foule. De ouf. Vertige, peur de me noyer. Oh, j'ai peur de ouf de me noyer. Genre c'est littéralement ma phobie première. Mais du coup j'ai envie de dire que j'ai le vertige. Pour pas qu'ils me foutent des trucs de noyade. Moi j'ai compris hein, c'est la méta... c'est la méta Fort Boyard ça hein, moi je connais hein. Je sais pas. Est-ce que je mets peur de me noyer ? Ouais, ça me semble plus intéressant en vrai. J'ai peur des chaussons personnellement. C'était pas les insectes ? Bah non. Pourquoi ? Ah, parce que Squeezie ! Ah non, j'ai archi pas peur des insectes. Non, moi, la vidéo de Squeezie, en fait, je devais être dans l'eau. Je devais être à sa place, à lui, et lui devait être à ma place. Et lui, il a peur des insectes et de l'eau. Donc c'était horrible dans les deux cas. Mais moi, vraiment, l'eau, je peux pas. Ça m'est parfaitement impossible. Personnellement, j'ai peur de Squeezie. Ouais, ouais. Non, puis c'est... En fait, c'est surtout, genre... C'était la première fois que j'étais sur sa chaîne, et du coup, tu sais, il y a un peu ce truc de genre... Les gens vont me découvrir avec une séquence où juste... je suis en combinaison de plongée et tout, tu sais, j'étais pas à l'aise avec cette idée-là non plus. Et du coup, j'ai pris les insectes. Saucisse. Merci, merci l'anonyme. Merci beaucoup. J'ai peur des serpents, j'ai peur des rats. Non, c'est mignon les rats. Les reptiles, ça m'inquiète de ouf en vrai. C'est pas une phobie ni rien, mais ça me fait un peu peur les reptiles. Combinaison de plongée, crise d'angoisse, bonne première impression. Mais oui, c'est ça. C'est que moi, je lui ai dit, en fait... je ferai pas du divertissement en fait, ça va juste pas être drôle du tout. Ça va même être un peu triste en vrai. Merci Tite. J'ai peur des gros comptes en banque. Ouais, les serpents un peu, ouais. J'ai peur des chiens, premier degré, c'est assez handicapant. Mais j'ai une pote qui a peur des chiens aussi, et ça a l'air assez terrible pour le coup. J'ai peur des pistolets, j'ai peur des couteaux. Bah je sais pas. Je crois que... Mais je crois que j'ai même jamais vu d'arme à feu de ma vie en fait. Je suis en train de réfléchir à ça. Merci Edrazes. Je crois que j'ai... Si, j'ai vu genre des carabines, mais je suis même pas sûre qu'elles fonctionnaient encore. Sur la police. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, je sais pas. En fait, du coup, j'ai envie de dire, je suis plus inquiétée par les couteaux, parce que du coup, pour moi, les flingues, genre... j'en ai jamais vu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est moins... je sais ce que c'est et tout, parce que j'ai vu des films, des machins, des trucs, mais comme les couteaux, c'est plus quelque chose que je manipule, j'ai plus... Je pense, dans mon cerveau, j'ai plus l'idée de à quel point ça peut être dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis surtout, en vrai, on va pas se mentir, dès que j'ai des couteaux en main, j'ai des pensées intrusives de malade, quoi. Merci, Pyramide. Tu peux faire un sondage? Oui. Bon, après, je réponds de mon côté, hein. Bah, les pensées intrusives, vous trouvez ça bizarre? Mais non, c'est, tout le monde a les pensées intrusives, c'est normal. Ça veut pas dire que tu vas les faire, justement.
Non, non, c'est normal, y a rien de suspect. J'ai peur des serpents, j'ai peur des cafards. Serpents, toujours. En fait, les reptiles, ça me fait flipper dans le sens où... vous me direz, en vrai, c'est pas logique ce que j'allais dire, parce que les cafards non plus. Mais c'est les cafards, ça peut pas te faire mal, alors que les serpents, oui. Et j'ai ce truc de genre... ça peut pas... Tu peux pas être pote avec un serpent. Genre, ils ont pas la capacité d'empathie. Et ça me fait trop peur. Enfin, ça me fait pas peur, ça m'inquiète. J'ai peur des clowns, j'ai peur des épouvantails. Ah. Je sais pas. C'est vrai que le machin dans Batman, il est horrible. Hein. De l'épouvantail. Mais après, il y a tout un lore autour de lui aussi. Je sais pas ce qui m'inquiète le plus. Je pense que... un clown irait me faire plus facilement peur qu'un épouvantail, dans le sens où... il y a beaucoup plus de représentations de clowns méchants dans la pop culture. Que d'épouvantail. Sans visage, c'est mon angoisse. Ouais, moi ça me touche pas trop, justement. Je pense le clown, l'aspect justement complètement distordu et tout, c'est un truc qui irait plus facilement me faire peur. Je parlais de l'épouvantail dans Batman. Mais après, l'épouvantail dans Batman, c'est lui là qui fait perdre... perdre connaissance. Et genre, t'as des putains d'hallucinations et tout. C'est plutôt ça dans Batman qui me ferait flipper. Donc c'est pas dû au fait que c'est un épouvantail, quoi. Je vais dire clown. J'aime bien le fait qu'on passe les pages comme ça, sur la manette. Le sang me dégoûte, j'ai peur des corbeaux. Non, j'ai pas peur des corbeaux. Oh! Je vous ai fait peur. Oui. Excuse. Vous vous en sortez bien. Mais il est stupide! Détendez-vous. Il a eu où son diplôme, lui? Essayez. Il va se calmer! D'accélérer frère. Un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches. Ouais, mais je parle à mon chat, en fait. Tu peux parler à mon chat? Tu peux me laisser... Tu fais ton travail, je fais le mien? Je joue le jeu, hein. J'ai même du mal à regarder l'image, c'est vous dire, hein. Peur des aiguilles, le sang. Les aiguilles, ça m'inquiète un peu, mais c'est dû au sang, donc... Le sang, j'ai ce truc où genre... j'ai trop peur de choper des maladies à cause de ça, quoi. Zombie, clown... Non, les zombies, ça me fait pas flipper. Ça peut engendrer des situations nulles à chier, mais vas-y, on continue sur le clown. Le sang, toujours. C'est drôle, on dit pas peur du sang, on dit ça me dégoûte, quoi. J'ai peur de l'orage. Non, j'ai pas peur de l'orage. Mais j'aimerais bien qu'il y ait de l'orage pendant. Mais bon, vas-y, on reste sur le sang. Putain, c'est terrible. Voilà qui est intéressant. J'aurais pu faire ça des heures. Merci pour cette si grande application. De rien. Les araignées, les clowns, les entrailles. Les entrailles, c'est plus... Enfin, le sang et tout, c'est plus l'odeur, en vrai. Bon vendredi soir. Mais comme tout le monde, hein, l'odeur de la mort, c'est la pire odeur par excellence. Ah, je regrette. La session touche à sa fin. 80 balles. Je vous promets que nous en reparlerons bientôt. J'ai un peu le seum, en vrai. J'aurais pas dû dire que j'avais peur des araignées. J'ai pas peur des araignées, j'ai peur des tégénaires. C'est différent. Previously
on Until Dawn. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna! Les tégénères, c'est des spécimens d'araignées précis. Ne tapez pas ça sur Google si vous aimez pas les araignées. Ces araignées de maison noires dégueu. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle. C'est le tatouage d'OP. De Blackwood. Oui. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. C'est le tatouage qu'elle veut se faire, elle l'a pas encore. Des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde! J'ai dû aller au fond. En fait, le principe d'une phobie, c'est que ça n'est pas rationnel. Donc, quoi que vous me disiez, genre, je sais que c'est pas rationnel, en fait. C'est pas moi qui choisis. Merci, crème pas fraîche. Un puits de 143. Ça me fait ça aussi. Allez, le chat. Il s'appelle Josh. Il est compliqué, réfléchi et affectueux. C'est le frère d'Anna et Bess. Il porte à droite. On a déjà dit un truc sur les cheveux, je crois, ouais. Il porte à droite et il aime chanter du Queen. Allez, t'as grandi. Petit clin d'œil, du coup. Tu peux avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as un million. Merci, Netricia. Et puis je m'en occupe. Netiria, pardon. Merci beaucoup. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Ça s'est bien passé? Ouais. Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Sa sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Baisse ta sœur. Merci, Titots. Yo, yo, yo. Est-ce qu'on va finir yo, yo, yo. Commère. Attendez, si on veut être RP, c'est quoi, lui? Honnête, charitable, drôle, courageux, romantique, curieux. Il est très curieux, hein. Commère de fou, hein. Matt et Emily sont ensemble, maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde, saleté de truc. C'est gelé. Il l'a entre les jambes de Jess. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrer par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais. Oui, c'est ça. Tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste. Vous voulez que je monte le son du jeu encore? Vous m'avez dit que c'était bon. Salut, comme ça. Troublé. Confiant. Il est pas courageux, hein. À quel point il aime bien Ashley? Ah, il aime bien Ashley, hein. Bon, il est honnête, alors. Tu vas bien? Oui. Sauf que j'ai un peu froid. Et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici, hein. Il ressemble à Mpapé. Oui, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Let's go. Pourquoi elle reste là, elle, du coup? Qu'est-ce qu'on fait, là? Allô? Quoi? Ah, mais y a rien à foutre, en fait, là. Ah oui, d'accord, ça sert à rien. Très bien. Superbe. Ou une fenêtre. Ouais, bon, on va faire le tour. On suit Rami Malek. Ah, il veut pas me laisser passer.
De quoi je me mêle? C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Mais attends, mais Chris, il a pas genre un crush sur Ashley? C'est quoi sa relation avec lui? Attendez, lui, c'est qui déjà? Ah putain, trop bien, on voit à quel point on influence sur leur truc. Par ami, pas toi. Josh, merci. Putain, il apprécie autant de Josh que Ashley. Ah, c'est la merde. Il est pas très honnête. Ouais, mais c'est son pote, il va être honnête avec son pote. En fait, vous savez ce qui manque? Ah, mais putain, mais je suis sur les traits, on voit pas du coup. Je sais pas où mettre ma cam, c'est chiant. Je vais mettre ma cam là. Et le chat, je vais vous mettre ici. En fait, il manque une jauge pour savoir à quel point les gens sont beaufs ou non. Merci Viltron. T'accroches, c'est Jess. Mais Jess, elle est super basse. Ou alors ça calcule les affinités, genre à quel point Jess, elle l'apprécie, lui. Non, mais ça change tout, ça, en fait, du coup. C'est l'échelle Bigard. Oui, ça manque d'échelle Bigard. Crush sur Ashley. Ah bah voilà, le chat me dit n'importe quoi. Mais il est pas romantique, hein. Bah ouais, carrément. Non, ce serait trop bizarre d'agir comme ça. Non, pour moi, il proteste. Hey, du calme, mec. Ce serait trop bizarre de dire... Ah ouais, carrément. Bizarre. Peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien arrêter. Relax. Je vérifiais seulement si tout marchait correctement, là en bas. Ouais. Je voulais voir si tu suivais. Regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Toi. Mais il est pas là pour, genre, rendre hommage. Genre, c'est l'anniversaire de la mort de ses sœurs. Mais il a dit le mot dégoulinant. Il est littéralement sur l'endroit où ses sœurs sont mortes il y a un an. Et il a dit le mot dégoulinant. J'ai envie de crever. Il veut du sale. Et Ashley, enfin seule. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Oh, j'ai lu des trucs dans maintenant, le chat, là. Il est temps de passer à l'attaque. L'attaque. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que du coup, j'ai envie de répondre de manière normale, hein. Sauf que on est dans un anard, donc il faut que les gens répondent de manière stupide. Merci Noidi. T'as peut-être raison. J'en sais rien. Moi j'ai envie de croire que Chris il est stupide mais qu'il est ok. Quand même. Je sais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir? Mais si ça. Ils se roulent dans leur tombe bizarre, là. Qu'elle ne voulait plus être. Elles font des danses Fortnite dans leur tombe là, Anna et Bess. Écouter, ou quoi? Il faut te bouger, mec. Sois un homme. Oh, le soin un homme, il est dégoûtant. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux? Il dégoûte parce que ça veut. Ça, c'est jamais. Il a dit que j'avais un plan. Ouais, c'est jamais affilié à des. À des bonnes choses. C'est jamais. Soit un homme, soit quelqu'un de respectueux. Non, c'est toujours un peu bizarre. Touché. Personne n'aime les petits que je l'ai.
Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Sois un homme, schlack! Oh merde, j'ai presque plus de batterie. Oh, j'ai oublié. Oui, c'est ça, c'est vraiment de la masculinité toxique par excellence, genre. Que je peux enfin l'utiliser. Hey, tu veux pas le lâcher ton téléphone? Hein? Pourquoi? Parce que t'arrêtes pas de parler de ça, mec. Bah, je peux faire tellement de trucs avec. Eh bah quoi? T'as une appli qui pourrait nous faire entrer dans le chalet? Non. Et t'en as une pour coucher avec les filles? Bah, en fait, y'a cette... Mec, t'en as pas. La réponse est non. Il y en a pas. C'était quoi cette application dont il allait parler, là? On va faire un intello. Bien joué. Vous avez vu, il y a une hache hein, sur le côté. Faut qu'on garde ça en tête. Hein. Merci, T-Voiced. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Grindr, je pense. Oui, très certainement, oui. Oh! Oh, il a dû s'éclater! Je vais bien! Il a des dents très blanches, Chris, c'est vrai. Escalade. Quoi? En sport? Tu sais où il faut grimper à la corde? Wow! J'ai fait ça, moi? Non, je pense pas. C'est sa vertèbre qui est partie, là. Dis ça! Hé, hey, Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein? Ouais. Ça s'appellerait Tinder! Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Pour faire quoi? Je comprends pas, comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur. Ah, ouais. Mais tu veux faire quoi avec ça? Tu veux brûler la maison? Lance-flamme. Comme on fait avec les petits... Quoi? Attendez, pourquoi faire? Ce qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Mais... Non, mais j'y vais. Ça fait partie des codes, hein. Les mauvaises décisions. Il faut avoir deux neurones, hein, pour être dans un nanar. On ne vit que pour ça, sinon il n'y aurait pas de jeu. Hé! Mais... J'arrive pas à le tourner! Mais attendez! Mais genre vraiment? Je comprends pas! C'était Emily. C'était Emily qui était en train de brûler, donc peut-être le déodorant, on va laisser tomber, non? Je dois attendre que Rami Malek y revienne, là. Du coup, techniquement, je devrais juste attendre dans cette pièce sans rien faire. C'est un peu bizarre de bouger tout seul, là, mais... Mais je vais pas déclencher le script. Est-ce que ça vous arrive dans la vie? Moi, j'ai beaucoup ça. De me dire vraiment dans mes journées, il faut que je fasse ce truc-là parce que tant que je l'aurai pas fait, ça va pas déclencher le script. Et effectivement, genre par exemple, si j'attends un message, un mail ou quoi au caisse, et que je dois prendre le train, je sais pertinemment que je vais le recevoir en sortant du train et ça m'arrive tout le temps. Genre un appel, voilà, exactement. Et c'est fou, et à chaque fois, ça me rend folle. Hein? Cool. Tous les jours. Et voilà, 100% oui. La vie est scripted. Écoutez, pensez-y la prochaine fois et vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de trucs comme ça après. Tu sauvegardes juste avant au cas où. J'essaye. Oh putain, c'est dur. Oh, il y a eu une... Ah non, c'est mon... C'est la mienne, ok. J'allais dire, il y a eu une sale ombre, mais en fait, c'était moi. C'est Mike qui vient de nous faire peur encore? Il y a eu une ombre encore, là, on est d'accord? Putain, je...
je vois rien, c'est un enfer. Yo yo. Oh, ah oh, salut Chris, très marrant. Et comment tu m'as reconnu? Il y a le psy, il va sortir de nulle part. Essayez d'ouvrir la. Il va série. Faire. T'as mis 80 balles, enculé. Oh oh. Mais comment vous êtes rentré? J'avais le déo là en fait et. Faut faire le tour. C'est quoi ça? Ok, c'est rien. Je peux pas passer. Je suis coincée? Ah oui, non, je peux juste pas passer, d'accord. Coup de téléphone du CPF, là. Salut, c'est Julien. Indice trouvé. Photo du bal de promo. En quoi c'est un indice? Je comprends pas. Ready for the senior prom. Ok. On dirait vraiment la maison dans The Quarry. Hein. Peut-être c'est parce qu'il fait nuit, mais ça ressemble beaucoup quand même. Hein. Ils sortent du lycée. Encore un code du nanar, hein. Il faut que ce soit des adultes qui jouent des adolescents. Moi, vous savez qu'à cause de cette merde, vraiment, quand j'étais petite, je pensais pertinemment qu'à 16 ans, j'allais ressembler à une meuf de 30 ans, quoi. Ça m'a fucked up, hein, ce truc-là. Senior prom. Oui, senior prom, c'est juste avant, non? En tout cas, ils font clairement pas leur âge. Pourquoi je trouve pas ce que je dois faire? Ça me saoule. Les déplacements, ils sont insupportables en plus. Hein. On va pas se mentir. À l'étage. Mais allumé. Mais oui, mais le prompteur, j'allais dire. Le générateur, il fonctionne pas encore. Où sont les escaliers? Ah, c'est quoi ça? Ew, c'est quoi ce doigt? Mais il avait une phalange en plus. Bonjour, Madame Washington. C'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je sais que vous espériez autre chose. Alors, limiter les déplacements si vous souhaitez en savoir plus. Fin des nouveaux messages. J'ai raté les escaliers. Ouais, on voit vraiment rien. En plus, moi, j'ai ma light dans la gueule, j'avoue, donc... Oui, bonjour, ici le méchant. Je vous rappelle concernant l'assassinat que j'ai prévu demain. Pour vous, c'était plutôt 14h30 ou 15h. Je sais qu'on avait dit 15h, mais je voulais être certain... rapport au fait que j'avais un rendez-vous médical en fait qui a bougé et donc je vous avoue que si je peux éviter d'attendre de poireauter encore, encore plus longtemps, ça m'arrangerait. Voilà voilà, c'est tout je crois, je vous laisse et puis voilà, à demain. Fin des nouveaux messages. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Ah, Inferno! Ah, putain! Quel connard! Mais c'était quoi? C'était un loup! Oh, ni sa mère! Ah, parfait. Et heureusement que j'ai fermé à clé chez moi, je suis en train de me dire, en fait, je joue toute seule à un jeu d'horreur, là. Tout doux le loup. Mais c'était quoi?
C'était pas un loup, c'était pas un loup dans le placard. C'est un singe. Mais c'était un loup. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon. Mais attendez. Attendez. Il y a ce truc là qui m'a sauté dessus. Et genre il a pris le déo et il est redescendu tranquille pour ouvrir la porte tranquillement. Il s'est pas inquiété de ce que c'était ou c'était. Mais il est stupide, Chris. Un petit bébé glouton. Un bébé. T'inquiète pas, petit. Un de ces jours. Un bébé glouton. Il barge, lui. Home sweet home. D'où c'est ouvert. J'aurais pas. Il a dégivré la bonjour. J'allais dire la censure. Même si on se lèche un peu ici. Merci Zelda pour le raid. Bienvenue. C'est le début de Until Dawn. Tous les agents de police. Ça a été calme ici dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut. Oh putain. Ok, je l'aime trop elle. Ouais, vas-y, fais comme chez toi mon pote. D'accord. Littéralement phénomène ouais. Raven, bref. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon, hein. Oh voilà. Ils vont se tape. Doucement, cowboy. Ils vont se tape. Mettre en garde. Emily, c'est pas qu'il a vu. Domingo, merci pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Mais je découvre en plus, je l'avais jamais fait. Après, tout à l'heure, elle lui a dit que justement, elle aimait bien qu'il se mette en avant et tout. En vrai, c'est bizarre qu'il en parle d'abord à Matt et pas à Emily. Hein. Donc, je pense que s'il est dans cet esprit-là, il se dit c'est la faute de Matt, de Mike, pardon. Donc, juste t'approches pas d'Emily, quoi. Mike, éloigne-toi de ma copine. Mais. De quoi tu parles ? Éloigne-toi d'Emily. Emily ? Quoi ? Tu crois que tu m'intéresses encore à Emily ? Regardez-les l'objectifier là. ok, laisse tomber. Attendez. C'est quoi son truc à lui ? Il est romantique ? Il est pas courageux du tout ! Oh, on voit le truc en direct ! C'est tellement stylé ça ! Ah oui, il est pas courageux du tout ! Puis se fit dessus. Oui, c'est un peu ça hein, le mood, hein. C'est le meilleur pote de Mike. Difficile, hein. Moi, je pense Matt, il va mourir et ce sera pas à cause du tueur, hein. Mais j'ai envie qu'il se tape. Venez, il se tape. Arrête de jouer à ça. Ça suffit, hein, c'est ma copine. Et moi. Arrête de jouer à ça, Mike. Tu vois pas que personne ne veut de toi ici. Sérieusement, c'est quoi ton problème, connard? Espèce d'enfoiré. Lâche-moi. C'est quoi la bagarre? La bagarre. Non. On n'est pas revenu ici pour s'arracher la tête, les mecs, ok? On est venu ici pour s'arracher. Oh, moi j'ai entendu connard. Oh. Hey Mike, pourquoi t'irais pas avec Jazz voir la cabane des invités dont ça m'aurait pas plu, hein. Ouais. Ouais, d'accord. Moi je me serais tape, moi. Tu veux y aller? Mais ils savent pas, hein. Pourquoi ils se sont pas expliqués, hein. On sait pas ce qu'il en est. Peut-être juste, en vrai, Mike est juste très pote et machin, hein. Il est où mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose. On les a pas vus pécho, hein. Justement, en vrai, c'était même un peu amical quand même. Tu t'en souviens pas? Non, en vrai, il lui tenait la tête, hein. C'était bizarre, ça. Chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu mettais la fille au comptoir. Eh ben... Elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, peut-être... Mais comment elle lui parle? Y'a rien qui va dans ce couple, hein. Alors? Non, pas du tout. Putain, t'as dû... Puis je peux vous dire pourquoi, parce que je tiens une agence matrimoniale, personnellement, donc... Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera? Ouais, beaucoup, même. Ok, allons-y. J'adore parce que je fais la meuf qui râle et qu'il y a des trucs comme ça, mais vraiment ma vie pour les nanars, donc c'est vraiment les interactions que j'aime le plus. Je vais prendre un bain. Je vous avoue, j'avoue. Je suis là genre non, mais quel beauf. Oh,
Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique. C'est cringe, j'en veux encore. Oui, c'est ça. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, hey, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça. Stars du porno. Je paierai cher pour voir ça. Ma vie que mes potes, je vais les appeler comme ça la prochaine fois que je les vois. T'inquiète, mec. Hé, hey, salut les stars du porno. Ouais, c'est ça, cause toujours. Mais craqué. Ah, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez. Il fait sombre par ici. D'accord. La prochaine fois que je réponds à Maguera sur Discord ici, je lui dirai ça, juste elle comprendra pas. Je l'invite avec lui. Vraiment ? Quoi ? Non ! Salut la star du porno ! Quoi ? Pourquoi ? Hein ? Ah, je confonds, pardon. Merde. Pardon, je pensais à autre chose. Ok, Yvan. Qu'est-ce qu'il y a, Jess? Hey, joli cœur. Une photo? D'accord, pourquoi pas. Dans cette économie, vraiment? Oh, ah ouais, avec... Il a retourné le téléphone. Et non pas Jess, pardon. Il y a quelque chose de profondément dérangeant avec ce plan. Tiens, on la laisse que elle parce que toi on me déteste. Oh, hey, l'Uncanny Valley là. L'Uncanny Valley, elle me tape fort. Bien tenté. C'est moi qui prendrai la prochaine, d'accord? Ok, mais... Tu sais, c'est pas vraiment facile de tenir ce truc à la fois à l'endroit et à l'envers. Ça me fait penser au okay, Vine de la meuf qui essaye de se prendre en photo avec son truc retourné comme ça, son téléphone retourné, et qu'en fait, elle est sur la calculatrice. Et juste, du coup, elle arrive pas à prendre sa putain de photo, elle comprend pas. Oh, il fait trop froid ici. Moi maintenant, je peux t'aider. Et comment tu vas régler ça? J'ai quelques idées en tête. C'est quoi ça? Eh ben, on peut pas dire que l'amour règne en maître par ici. Oh, putain, en plus, c'est sûr et certain que genre Mike et Emily, ils sont pas ensemble du tout, parce que ce serait trop évident. Du coup, ça doit être un truc en mode genre... Dis-moi, ils sont vraiment juste potes et il la réconforte d'un truc, quoi. Genre, elle a dû perdre son père ou j'en sais rien. Matt est un con. Je voulais impressionner. Matt est un con. Quel con, pas vrai? Il aurait pas dû m'attaquer comme ça. S'il a un cerveau dans ce grand melon qui lui sert de tête, il ferait mieux de l'utiliser. Ou il va mal finir. Waouh, méchant Mikey. Juste. Mikey et ses gants enculés. Waouh, putain, il y a une image subliminale, ça m'a fait peur. Faut pas faire ça. Ah. Je crois que ce truc a besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin? Je sais pas si Josh a parlé d'un générateur dans le coin. Si j'étais un générateur. Ou un agitateur. C'est quoi ça? Hé, hey, Mike. Bon, tu le fabriques ce générateur ou quoi? Ouh, tu m'agaces. Tiens, regarde, je te regarde mourir. Ah, c'est pas toi, c'est Ashley. Ah non, il fait peur le tueur là. Mais c'est moi qui ai choisi en plus là. Mike, tu crois pas qu'il... Je vais me battre contre ça là? Ah ouais, non hein. T'entends quoi par machin? Mais il a pas de lèvres supérieures? Ah non hein. Parfait. J'ai pas peur des clowns, mais j'ai peur des gens qui ont pas de lèvres supérieures en fait. Ah non, c'est sale, c'est sale.
Revka. Bim. Bien joué, Mikey. Tu dis vrai. Mais non, mais il est... C'est... Non, mais les gens qui n'ont vraiment pas de lèvres supérieures, j'entends. Vous avez bien vu qu'on voit juste ses gencives, là. Bon, bah désolé si j'ai opprimé des gens qui n'ont pas de lèvres supérieures. Pas de ma faute, quand même. Je ne choisis pas de quoi on a peur. Keira Knightley. Oh, Keira Knightley, c'est vrai qu'elle est trop belle jusqu'à ce qu'elle sourie, quoi. C'est terrible. Mais non, mais il est pas méchant, lui. C'est le gars qui a voulu sauver Anna, mais qui a pas réussi. Parce que je sais pas lire, parce que je suis bête. Tout va bien, tout va bien. Vous allez rien monter du tout. À part vos grands chevaux, peut-être, mais c'est tout, hein. Calmez-vous. Il me ratait. Jusque là il y en a qu'un qui a fonctionné. Mais alors putain, j'ai hurlé à plein poumon, quoi. Shazam, que la porte s'ouvre. J'ai vraiment juste hurlé dans le micro, ouais, vraiment. J'ai pas bougé, quoi. J'ai pas eu de réflexe rien. J'ai juste fait Mais c'est ça mon problème en vrai dans la vie. J'ai déjà eu peur, genre vraiment peur. T'es excité ? Et je remarque que quand... t'en as pas l'air. Je suis trop excité là. Quand j'ai vraiment peur, juste je freeze. Une petite aventure, une sexcapade. Ouais, on est là-dedans là. Ça passe en stream, on est d'accord, oui hein. Oh merde, je suis coincée. Une quoi ? Une sexcapade. N'hésitez pas à regarder dans le dico. Ils auraient pu l'enlever. Ew. En fait, vous allez ken là. Ok. J'ai la trouille maintenant. Ah oui, d'accord, ok. De quoi te rappelles-tu? Te souviens-tu? C'est si flou. Te souviens-tu quand Anna et Bess sont mortes? Ce dont je me souviens, c'est qu'on leur a fait une... stupide blague à deux balles qui les a probablement tués toutes les deux. C'est vrai? Oh, c'est... putain, j'avais oublié. C'est pas notre... Oh, le syndrome de... je sais pas quoi. L'Asperger, pas ouais. Du tout. On n'aurait pas pu deviner qu'elles allaient réagir aussi bêtement. Comment ça s'appelle? C'est le syndrome de... pas de l'imposteur. J'ai que des noms de syndromes qui sont pas le bon. Comment ça s'appelle? Le syndrome du survivant dans... de Roberto? C'est quoi ça? De Stockholm? Mais non, genre... Elle croit qu'elle les a tués, quoi. Du survivant. Ah ouais? Ça fonctionne dessus? Le syndrome de j'ai oublié. Oui, c'est ça, hein. Putain, il est minuit et demi, déjà. Asperger, c'est l'autisme, ça n'a rien à voir. Y a pas un nom pour ça, genre? Le syndrome du scénario. J'aime beaucoup l'idée de dire le syndrome du scénario quand quelqu'un agit de manière stupide. T'as entendu? J'ai... oui, juste elle culpabilise, quoi, mais c'est ouais. Horrible. Parce que c'est pas de leur faute. En vrai. Ils ont fait un coup stupide, mais ils auraient pas pu calculer tout ça. Le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Ah ah Jess. Oh, Jess. Oui, et pourquoi tu t'appuies aussi? Hé, hey, Jessica. Ouais. Elle m'a saoulée, Jessica. Bordel, tu m'as foutu une de citrouille. Jessica saoulée. J'ai pas eu peur, moi. Pourquoi y'a quelqu'un dans mon chat qui juste hurle « Alzheimer » ? J'ai toujours mes 7 membres sur moi. Ouais. Quoi ? Tu peux sortir ? Je peux pas te dire. 1, 2, 3, 4, 5... Rien du tout ici. 6, 7, ok. Je l'ai.
Je vais te sauver! Attends, à quel point il est bête, Mike? Ah, il est très romantique de base, hein. Il est assez courageux. Bon. Merci, Alchemaniac. Okay, les fameux 6e et 7e membres. Aka, les tchouches. Pourquoi il y a eu un screamer, là? Tu m'aides à déplacer ce chariot? En vrai, c'était la pire décision. Hein. Ok. Tu m'aides? Mais elle t'aide pas du tout, là. Aide-moi à le bouger. Ok. Enfin, Clover. Tire! J'imaginais, j'ai mis à l'unisson. Ah, j'ai pas vu! Merde, j'ai pas vu! Ah, il était derrière! C'est le mec qui devait nous faire peur déjà la première fois, qui nous a pas fait peur. C'est ça? Oui, c'est compliqué de regarder le film et le chat. Oui, c'est ça, d'accord. Allez, avançons. Putain de merde! Ça fait bizarre d'entendre Clover dire putain de merde. J'ai pas trop apprécié en vrai. Ça a brisé un truc en moi, je crois. Ça m'a fait un peu mal. Merci Mirok. Merci Psytam. Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Oui, on avait compris. Essayez de te réconforter. Non, c'est pas le moment, vraiment. Garde ça pour la cabane, mon gars. Putain, mais arrêtez de penser qu'au cul en permanence, c'est insupportable. C'est pour ça qu'il meurt, hein. Ça s'appelle la sélection naturelle, hein. Are you sure about that? Mais du coup, c'est bien ou pas? Pas du tout, pardon. C'est le jeu, c'est le jeu. Il me rend bête, il me rend beauf. Non, non, non. Je retire. Totem de chance. Non, non, non. S'il meurt, finalement, c'est bien pour tout le monde. Screamer, de par la loi d'Hitchcock, normalement c'est genre dans 10 secondes. Voilà. Tu vas bien? Oui. Ou moins. Pas passé loin. Mais c'était là quoi. Je pense pas que cet endroit soit aux normes. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. C'est ce que c'est la loi d'Hitchcock? C'est un calcul qui dit que, en gros, ça se base sur le nombre d'or. Et en gros, les retournements de situation, genre le premier retournement de situation doit arriver genre au bout d'un certain pourcentage de l'histoire. Et puis ensuite, genre c'est un pourcentage moindre, puis moins, jusqu'à ce qu'à la fin, genre ça s'accélère de malade. Hitchcock! Et du coup, c'est pareil avec les streamers. Exact. Pareil avec les screamers. Il y en a un petit peu, puis un peu plus. Puis à la fin, il n'y a que ça. Dans les mauvais films, c'est comme ça en tout cas, parce que dans les bons films n'ont pas besoin de beaucoup de jumpscares. T'en as un au début, et après t'en as plus, parce que juste le spectateur a pas besoin d'avoir plus de jumpscares, puisqu'il y en a eu un au début, et que du coup il s'attend à ce qu'il y en ait d'autres. Sauf que ce qui est terrible, c'est pas d'avoir peur, ce qui est terrible, c'est d'attendre que ça tombe. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci Marine. Merci Boulbi. Je médite. C'est Gustave Parking qui dit ça. Je vous laisse méditer là-dessus. Du coup, on fait quoi en live? Merci Ectopunk. Méditez Piaf. Médite Piaf. J'ai chanté du Aznavour. Ah oui, Edith Piaf, je vous parle d'un temps que le moins le 20 ans. C'est là qu'on s'est connus. Eh bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson.
Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage? Quoi, tu veux grimper sur mon palier? Pardon, je suis désolée, mais c'est Clover. ça me saoule. Genre... En fait, ce qui me saoule encore plus, c'est que en vrai, le personnage de Jess, c'est le personnage de Clover. Genre, c'est la même personne. Mais du coup, ça me saoule de l'entendre dire des trucs comme ça, en fait. Genre, vraiment, ça brise un truc en moi. Ça aurait été n'importe qui d'autre, j'en aurais eu rien à foutre. Ok, garde-en pour plus tard, mon grand. Oh, un télescope ? Je veux grimper sur son panier. Regardez le nuage, regardez la cabane. La cabane ? Waouh. C'est vraiment Tess, hein. J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok, voyons ça. Pas ! Non ? Voilà. Ça l'a raté la première fois, je sais pas pourquoi. Vous réagissez pas ? Et là ! Schlack ! Il est où, là ? Pas ! Bah, reviens, non ? T'as bu trop de lait de poule ou quoi ? Mais il est stupide ! Y'a que nous par ici. Mais Mike, t'es bête ? Mais il est bête ! Ouais, t'as raison. Et elle dit t'as raison ? Ouh, c'est la pleine lune. The perfect moon for a wolf to come out. Jess ? Et là, normalement, il y a un loup qui arrive et qui fait I'm gay ! Pourquoi ? Mais j'ai pas de loup sous la main. C'est pas vous comprendrez. Des ours bruns rôdent parfois par ici. Ce sera pour le montage. Michael, je viens d'avoir une idée géniale. Quoi ton idée ? Allons faire un câlin à un ours. Viens ! S'il te plaît, allez, viens ! Quoi ? Mais non ! Mais t'es pas bien, on va pas faire de câlin à un ours. J'ai même pas de commentaire à faire. Genre, j'ai même pas besoin d'en faire. Elle est complètement supolée. Et je suis complètement con. Posons con. Merci Yotki. Pour les 25 mois. Comment on dépine? Ah non, attendez. C'est quoi la phrase dans Crazy Ex-Girlfriend? Bon, je sais plus. C'est une référence sombre, quoi qu'il arrive. Tant pis. We can't unscrew each other's friends. C'est ça qu'il dit. C'est bon, personne n'aura cette rêve terrible. Merci, Animax. Il fallait que je l'aie parce que ça allait me déranger. J'allais dire, attention, le cerf, il va crier et ça va nous faire peur. Et en fait, pas du tout, c'était le corbeau. Et le renard. Drôle. Tu rigoles quoi? Moi, je suis un homme. J'ai joué le jeu, c'est la saison. Waouh, coquin. Ouais, je suis comme ça, j'aime donner. Tous sur ton honneur. Tous un coup sur ton honneur. Vallée de Franche-Comté. Je sais plus ce que c'est la suite en fait. Pourquoi elle marche comme si elle avait des talons alors que pas du tout? Ça m'énerve. Ça c'est vraiment, elle a été genre, c'est des hommes qui l'ont fait bouger, hein, ce perso. On a pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Personne ne marche comme ça quand on n'a pas de talons. Je pensais pas que t'étais genre verre à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Ah, ouh, rimeuse. Attention, hein. Hey, Mike. Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Ah. Boum. Je peux rien dire, c'est vraiment typiquement le genre de blague que je pourrais faire. Pourquoi Revka a été d'elle? Oh. Jess. J'y crois pas, j'y crois zéro. J'allais dire attention parce qu'on arrête après ce chapitre, hein. Samy. Oui. Quoi? Tu veux
bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? En fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh. Bah, c'est fou comme elle, genre, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle double, sa voix, elle est genre, elle fonctionne trop bien à chaque fois, quoi. Par contre, terrible, parce que du coup, ça veut dire que là, on entre dans un chapitre où juste le chat, ça va être que des gens qui disent « C'est des rejetés poussiéreux ou bien ?» Oui, 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 oui. Comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet ? C'est bon, oui. Bravo, vous l'avez reconnu. On peut passer à autre chose. Putain, on voit rien dans ce... Mais allumez la lumière, mais merde ! C'était quoi, ça ? C'est Donald Renew qui double ça, moi. Il est fort, hein? C'est Esther Exposito! Donald Renew qui double Esther Exposito dans Wednesday. Qu'est-ce que c'est que ses ongles? John D. Smith. Tattoo artiste. Ah! C'est le tatouage de Alex, de la meuf qui ressemble à Alex, qui s'appelle Anna. Elle s'est tatouée le... Bon, passons. C'est pour qu'on comprenne. C'est le syndrome du scénario, c'est rien. HW. Anna, comment elle s'appelle déjà, Washington? Josh. Pas ! Ah non. Ok, pardon, excusez-moi. C'est moi qui fais des jumpscares du coup. Party ! Je rêvais que tu puisses venir à ma super fête ! À 19h ! Mais vous avez quel âge ? En 2013. Mais le jeu est pas sorti genre en 2013 ? J'ai eu peur, ouais, pardon, excusez-moi. Anna Montana. Waouh, quelle méchante insulte, Anna Montana. Mais je vous le dis, il y a un moment, on va choper un truc comme ça, il va y avoir un screamer quand on en ressort, wow, hein, faites attention. Ça ressemble vraiment à Mike. Ça ressemble plutôt à une brochure déchirée, mais... Surtout des C, oh, oh. Ça va tellement pas fonctionner. Quoi? C'est un purée de beau gosse téméraire. J'ai vraiment lu des trucs qui n'ont rien à voir. Et toi, tu restes à la maison à travailler ta broderie et ton piano en sol mineur. Laisse tomber. Laisse tomber. Ou alors, fais quelque chose de vraiment dingue. Fais une fugue ou fais-toi faire un tatouage ou je ne sais pas. N'importe quoi pour attirer sa précieuse attention. Tu veux dire que tu l'aimes, non? Alors fais-le! Bizarre, je suis en train de lire quoi là? Elle le repose au même endroit! Pas! Ça, on a regardé. Je serais curieuse de voir la map. Éclairée, voir à quoi ça ressemble en fait. Résultat de test de personnalité? Ah ouais? Anna, Josh et Beth. Vous êtes invités à la fête d'Halloween de Sam. Oh mais... Mais c'est elle? Merde, je l'ai pas retourné. Ok. Sam, va falloir que tu nous expliques des trucs, peut-être. Attendez, j'ai beaucoup aimé ce mouvement de caméra. Ah, mais c'était juste moi qui étais bloquée, non? Ah non. Je veux juste le refaire, pardon, c'est moi qui suis chiante, mais... J'ai beaucoup apprécié. Oh là là! J'aime trop. Non mais quand il y a des trucs bien comme ça, il faut en profiter.
Et ça, c'était vachement bien. Pas Pardon, pardon. Hein? Mais t'as pas du tout répondu à la question. On croit en toi. Ouais, allez, wouhou! Allez, Josh, allez! Allez, Josh? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi là? Séance de vie à chaque pas. Désolée. J'en referai plus. Attends, y'a un truc là, non? Pas! J'ai menti! Comme ça, si vous avez déjà bu le jeu et que vous vous dites c'est bon, je vais pas avoir peur, je connais le jeu, bah comme ça, vous aurez peur de moi en plus. Donc vous revivez l'horreur que vous avez eue la première fois que vous avez vu le jeu. C'est bien, c'est bien. Je crée du contenu original, restez. J'avais vu le jeu, je peux rien suivre. Mais non, mais vous avez qu'à être plus détendu, on rigole, c'est bon. C'est bon. On s'amuse là, putain. Qu'est-ce qu'elle est censée faire en fait, Sam? Qu'est-ce que je fais là, moi? Ah, je dois descendre. Les escaliers sont là. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Au bout d'un moment. Parce que je suis à peu près sûr que dans cette bicoque de folie, on avait un plateau. Je déteste le mot bicoque. Pour des raisons évidentes. Ouais, c'est marrant. C'est des conneries, mec. Il va falloir que je coupe, hein. Jamais. Je te dis que si, mec, on le faisait tout le temps. Le live, bien sûr. Moi, hey Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer. Nice peacock. Elle est au sous-sol. Bon alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Mais vous êtes bête? Le plateau de quoi? Mais vous êtes bête? Ouais, si tu veux. Bien. Le plateau de spiritisme? Mais il est stupide. Mais non, mais c'est... Alors, c'est... ça te dit une balade? Mais c'est lui le méchant en fait! Il est complètement con! Mais vous êtes Beth? Vous êtes Beth? Non, Beth elle est morte. Ah oui, pardon. Mais je confondais. Je viens d'ouvrir la même porte, oui, c'est ça. Là, ici, non, toujours pas, voilà. Tout ça pour que ça s'ouvre pas, voilà. J'étais sûre en plus. J'ai testé quand même et j'ai... Oh, vas-y. Je peux sortir? Alors je sais que c'est pour le scénario, hein, mais bizarre quand même de nous enfermer. Parce qu'on sait qu'il y en a d'autres qui sont dehors, donc Merci Tsukoshi. Elle ouvre la porte et pas. Non, ce serait trop attendu. Faut vraiment que ça sorte de nulle part. Sinon ça vous fera pas peur. Non, ça je connais. Le verrou en scénarium. Ah, peut-être là-dedans? Le scénario. Mais moi j'ai toujours pas compris. Attendez, on cherche à activer l'eau chaude. Mais Pas de nouveau message. Oh, il casse les couilles. Pas
Bon, allez, j'arrête. Toute bonne chose a une fin. Et vous savez ce qui est drôle? C'est que comme j'ai déjà dit que j'arrêtais et que j'ai pas arrêté, quoi que je fasse maintenant, moi, ça m'est sorti de la tête ou pas, vous allez le garder en tête et vous allez avoir peur tout du long. Et ça me régale. Ça me régale. Eh, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et H en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Allez. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. Enfin, ils sont adultes, non? En maison de retraite, ils ont pas besoin de ça. Chris ne bouge. Oula, faites pas les entremetteurs, là. Hein. Genre, laissez-les tranquilles. Tu sais, Sam... Oui, tu sais, les mecs comme moi. Je voulais seulement te dire que... Que je t'aime... Que je t'aime... Il va se faire couper par un drink, un truc comme ça. Cette année. Et puis... Que... Toi, tu sois là, Sam. Ah, même pas. On est là pour toi. Charitable. Elle aime moins Jess? Ah ouais? Ah. What? Ok. Oui, allez. Elle est sympa, Sam. Empathique. Josh, on est là pour toi. Oui, en plus, vraiment, elle est bienveillante. Peu importe comment et quand, on va tous surmonter ça ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Pourquoi elle s'emballe, la musique, là? Oula. Oula, me laisse pas seule. Hé, hey, regarde où tu marches. Je bah, éclaire mes pieds, connard! Je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Putain. Il me backseat et en plus, il... Genre, il... Mais... Oh, il m'a saoulé. Oh, il a dit une phrase, ça m'a saoulé, genre. Qu'est-ce qu'ils ont tous à créer leur maison en forme de T, je ne comprends pas. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop... Un peu de lumière aussi peut-être, non? Tu sais. Ouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Ouais. T'es chiant à meubler une maison hantée. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Bah je reste avec toi alors. Bon, bah on va voir là, ailleurs alors. Qu'est-ce que ça fait là? C'est la tienne? Ouais, avant je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Je ris parce que je sais que vous avez peur que j'hurle. Bien sûr, c'était avant. Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Mais ce serait trop évident. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté, d'accord? Bon allez, maintenant je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière. Oui, c'est Rami Malek. Tiens, tu peux tenir ça? Bien sûr. C'était quoi? De quoi tu parles? Un bruit, certainement un bruit. Éclaire par ici, que je puisse voir ce que je fais. Putain, j'ai perdu ce clip d'ailleurs. J'aimerais bien le retrouver. Hey, quoi? Est-ce que tu peux tenir la lampe? Mensonge! Tu veux bien, calomnie! Must be the wind. Joli.
Merci, on me le dit souvent. Pas. Ok, pour commencer. J'aurais pu là. Hein. Ça vous aurait fait peur si je l'avais fait ici. Mais c'est encore trop simple. Non, en fait. De toute façon, surtout, j'ai dit que j'arrêtais de le faire, donc vous n'avez pas à avoir peur. J'arrête de le faire. Je le ferai plus. Ayez confiance. Allons-y. Ah, j'avais pas compris. T'inquiète pas, c'est... Essaie encore. C'est bon, j'ai compris maintenant. C'est pas très compliqué en plus. Hein. Ah, voilà. Ok, bien joué. Ouais. En vrai, ça tue que la manette fasse du bruit quand il y a des QTE. Parce que moi qui arrive pas à me concentrer... Ça me rappelle à l'ordre direct et c'est trop bien. C'était quoi ça? Ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Oh, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. J'ai pas peur. Non, j'ai pas eu peur. Non, bien sûr. Oula. T'as seulement sauté pour faire quelques pas. Ça arrive là. J'ai pas eu peur. Arrête tes bêtises. Si j'étais eux, il y aurait un moment où je mettrais un choix de réponse quoi, pendant une demi-seconde, une heure, une touchée du rouge. Super flippant dans un sous-sol super flippant. Et je mettrais un screamer pendant le choix. Attends, t'as entendu comme moi là. Panette de PS5, ouais. Josh. Quoi? Fur. Le rythme est étrangement régulier. C'est... Non, c'est pas du tout régulier. Tu dis j'ai pas l'oreille musicale, là? Devrais-je jeter un œil? Ah non. Je vais aller jeter un œil? Ah non. Ah non. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. Pourquoi? Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok. Oh, un petit rat! Non, Pouic. Alors vraiment, très mauvaise idée. Attendez. Pouic? Attendez, parce qu'il est vraiment à un endroit qui peut foutre la merde à chaque instant. Il a allumé la lumière, ça va, j'ai eu peur. Éteins ça. Hop. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là? Ok. Bon. Il reste sur mes genoux. C'est parti. Squeak! Attention, ça arrive! Voilà. J'allais dire, on va se rapprocher, il va être là. Oh putain, c'est un de leurs potes qui fout la merde. Oh non, Pouic! Pourquoi tu fous la merde? C'est pas vrai! Pourquoi ces portes sont fermées? C'est seulement pour éloigner les intrus! Oh non, j'ai un flash de la saison 3 de Skins. Quoi? Mais c'est quoi? Vous êtes fait avoir. Toi, tu vas mourir, toi. Toi, tu vas crever maintenant. Celle-là était bien. Maintenant. Quoi? Tu t'as fait ça? Quoi? Maintenant. On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez. Quel connard. C'est drôle, ça? Non. Tu déconnes, là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais... Oui, que je voulais même être des screamers. Let's go. Je veux bien mettre... que ta plaisanterie débile avait peut-être... Débile ? Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, t'es surtout le maître des connards. Alors là, pas du tout. Ito, tu t'es complètement pissé dessus. C'est qui elle ? Ah, c'est Ashley. Qu'est-ce que tu portes ? J'ai...
Le fardeau de plusieurs générations. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. C'est quoi? Putain, c'est vrai qu'ils sont là-dedans. Non, j'ai eu assez de chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Merci, okay, Sam. Amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. Oh, je vois les câbles bouger. Y'a plus qui fout la merde en dessous du bureau. Qu'est-ce qui peut être drôle, punaise. Allô, je te parle, Matt. Viens avec moi chercher mon sac. Ouais. Oh, mais elle me casse les couilles avec ses sacs. Toujours les sacs. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Je t'avais jamais vu aussi agressif. Énervé. Quel scoop, le chevalier blanc. Encore une mort. Eww! Parisienne au ciel. Vous savez à qui vous parlez ou pas? Bref. Bizarre. C'est-à-dire... Encore ce truc, hein. Il y a un moment, on va devoir le faire rapidement, je pense. Oh, merci. Parce que c'est la deuxième fois qu'on nous apprend à ouvrir cette barricade. Oh, Pouic! Oh, Pouic! Oh, il était en train de jouer avec les ventilos de mon... Non. Il met sa patte dans les ventilos de mon ordi. Ça va pas ou quoi? T'es malade, hein? Ah non, hein. Et ça y est, il s'ennuie. Il cherche des trucs à faire pour que je m'occupe de lui. Ça va pas, hein? Va ailleurs. À la limite, j'aimerais bien qu'il foute la merde avec le sapin. Ça, je peux l'accepter. Les sacs, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Hé, hey, Amy? Ouais. Amy. Et on l'appelle M ou Amy, alors c'est bizarre. Qu'as-tu vu en Mike? Parce que maintenant elle est au courant quand même. Qu'est-ce que t'as bien pu trouver à Mike? Oh, Matt. Sérieux? C'est bah un si. Con. Il a toujours été con. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que je viens de m'engueuler avec Mike en fait. C'est évident. T'es un homme beau, grand et bien foutu et c'est toi que je veux. Alors arrête de penser à Mike, ok? Ok. C'était drôlement expéditif. Putain, mais Pouic! Arrête! En fait, il a compris que je réagissais à ça. Arrête. C'est fini. Il faut cesser. Ok. Quick, Pouic. Encore un autre. Il va y avoir un animal de merde. Hé, hey, petite tête, viens par là. Ta grosse tête, là. Mais, il pense qu'à ça, hein. Non, mais lui, il est dans ses émotions, là. Non, c'est pas question de la draguer, je sais pas quoi. Pas une bonne idée de quitter le chemin. Fais pas ta fillette. Oh, putain, j'ai fait tomber, un truc, ça m'a fait peur. Matt. Ouais. Ça y est, Pouic est dans le sapin. Sac, je sais que je suis pas toujours facile à vivre. Se vanter? Attends, les deux réponses font pas sens dans ma tête. Ça va, c'est bon. Si, vas-y. Pour moi, il est pas du tout... Ouais. Ok. Il est pas mature, Matt. Matt t'as mature. T'as vraiment convaincu. C'est bon. Vraiment. Oh, chérie, je rêve ou tu boudes? Mais non.
Bah en fait je viens de m'engueuler avec un gars et je sais pas pourquoi. Alors, genre j'aimerais bien que tu m'expliques, tu vois. À chaque instant le sapin tombe. À quel point je peux rester sur ce plan ? Il regarde pas vers lui, hein. Oh ! Mais genre tu le vois pas là ! Arrête ! Arrête, il est devant toi ! Matt ! Matt ça donc ! Le jeu, il a dit attends il est pas censé faire ça, hein. c'est le syndrome scénario, ça. Ah, oh, ce paysage est magnifique. Waouh. Ouais. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur Muscle. Ah, oh, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ces muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici ? Mais je joue qui, là ? Ah oui. Je le surveille, tu sais quoi, du coup. Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis coin, tu veux parler coin. Du coin G ? Il y a plein d'autres endroits. Ça, c'est un peu marrant, en vrai. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Je sais pas qui a écrit cette ligne-là, mais mes hommages. Ça, c'était un peu marrant. Le coin. Y a quoi de si important dans ce sac ? Oh, c'est juste mes culottes. Celles en dentelle. Allez, quitte à être beauf. Bon, on n'en a pas besoin. Tu veux pas que je les essaie devant toi ? De toute façon, je vais les arracher. Peut-être que moi, je vais les porter. Au prix que ça coûte, ça bah j'espère pas. Allons les chercher. Connard ! Le mec qui a beaucoup trop d'empathie d'un coup. Ouh, ça va claquer, ça. Non ? Descendre. Nous y sommes, madame. Merci. Avec cette inflation ? Non, cette économie ? Oh, très impressionnant. C'était quoi ? C'était peur ? Je sais pas. C'est moins une bête ou... J'aime pas ça. Ah pardon, je joue ! Excusez-moi, il y a vraiment sincèrement des moments où je sais pas si c'est la cinématique ou si je joue. Bruit ? Certainement un bruit. Matt, tu t'éloignes. Ouh. Ragoûtant, n'est-il pas ? C'est quoi ça ? Merci Platypus. C'est un avertissement ? Il n'était pas là avant. C'est un mot ? Welcome back. Wow. Ça doit être Chris ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars. Ah oui, mais bon. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh, Matt. Qu'est-ce qui se passe? Putain, qui a bien pu faire ça? Oh là là. Je vais pas me foutre de mes culottes là tout de suite. C'est mal timé en plus. Oh, c'est fini! Ça tombe bien, il est tard. Vous allez bien dormir, là. Non, Tyrannosaure. Ça ou quoi?
C'est drôle, c'est bien moins chaleureux d'un coup, ce petit salon là. L'isolement, de la solitude. Ouais, hein. Est-ce que ce serait pas la symbolique du psy qui tombe petit à petit dans sa folie, en fait? Quoi? Merde, j'ai pas écouté. Yo, il m'a demandé quoi? Répondez vite, parce qu'on va l'écouter respirer tout du long. Hein. T'as peur ou pas? Peur de la solitude. T'aimes le poulet. Non. Je mute. Donc, que pensez-vous des gens qui ont peur de ces choses? Bah, c'est leur vie. Je les plains, je les méprise. Je les plains. Je vois, Mike a peur de la solitude. Je te vois. Avez-vous pitié de lui? Putain, faut que j'aille voir le 2. J'avais oublié qu'il était sorti. Merde, c'est quoi? Putain, il a dit quoi? Oh non, j'ai pensé à Avatar, j'ai pas écouté du coup. Pardon, il a dit quoi? Oh non, je suis désolée. T'as pitié de Mike ou pas? Putain, je sais plus qui c'est, Mike. Ah oui, c'est le connard. Non. Effectivement, c'est ce qui ressort de vos choix. Quelque chose d'autre? Non? Je vais pas payer 90 balles pour ça, là. C'est très peu. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers... Vous reculez, monsieur. ...les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Prenez un chewing-gum, Emile. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la richesse? Ah, loyauté aux franchises, pardon. La loyauté. Donc, vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami, bien? Oui. Et si je vous dis loyauté ou charité? C'est quoi la définition exacte de la charité? Attendez, je vais regarder. Charité. Amour du prochain. Vertu chrétienne. Bienfait envers les pauvres. Bah, je sais pas. Du coup, c'est quand même vachement proche de... C'est vrai que pour moi, la charité, c'est vraiment affilié à la chrétienté, hein, du coup, forcément. Ouais. Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis? Bah, ça dépend. Nous en reparlons. Ça dépend. Oh, ça glitch. C'est normal? You. C'est un peu stylé, ça, en vrai.